quelque chose ou c'est gratuit? On a des laissez-passer de l'hôtel pour ça. Donc c'est gratuit? Exactement. Et où est-ce qu'on peut s'asseoir alors? Où on veut. Mais là, il y a une séparation entre les chaises, on voit bien. On n'a pas besoin de s'asseoir dans les premiers rangs. Oui, ça ferait mauvaise impression. C'est mon avis. On va s'asseoir vers le milieu. Exactement. Là, c'est deux chaises. Tu vois bien? Oui. Si on était assis devant, on verrait mieux les musiciens. Pour un concert, on n'a pas besoin de tout voir. J'ai pas demandé où on pouvait se mettre avec les billets. J'ai pas envie d'être ridicule si on nous renvoyait vers l'arrière. Bah oui. On est bien là aussi. Il se prépare à jouer, tu le vois? Ça commence. C'est très joli, c'est connu. Tu sais ce que c'est? Non, je ne sais pas. Quand est-ce qu'on était pour la dernière fois au concert? Ici, c'est pas un vrai concert. C'est en plein air. Ça change rien. Je ne sais pas quand on y était la dernière fois, t'as qu'à chercher... Chez toi-même. Quand on a vraiment la musique devant soi et pas seulement à la radio ou à la télévision. S'ils se mettaient à pleuvoir, ils arrêteraient de jouer. Et ceux qui ont payé leur billet ne seraient pas remboursés. Tu crois? Ils me l'ont dit à l'accueil, à vos propres risques. Ça n'existe pas chez nous. Quand chez nous, on donne un concert en plein air et qu'il pleut, il y a toujours un endroit qui est couvert où on peut se replier. Aujourd'hui, la nuit est étoilée. Il n'y a pas un seul nuage. Aujourd'hui, il ne pleuvra pas, c'est sûr. Ça serait d'ailleurs dommage, parce que c'est très bien comment il joue. Alors que ce ne sont pas des musiciens professionnels, mais une société de musique amateur. Ils répètent le soir après le travail, et ils jouent en été sur les places. J'aurais pas peur de ça. Mais c'est comme ça. Parce qu'ils jouent des mélodies connues. C'est ça qui est bien. Alors ça fait penser à des choses qu'on connaît quand on écoute et puis on sait même pas à quoi. C'est beau, non? Oui.